Merci, Monsieur le Président. J'ai voté contre le projet ACTA, comme la majorité de mes collègues libéraux et démocrates ici au Parlement européen, ce qui ne signifie évidemment pas que la protection de la propriété intellectuelle ne reste pas l'un des ciments de la doctrine libérale. Bien au contraire, mais l'erreur principale des initiateurs d'ACTA a été de penser global, alors qu'à l'évidence, on ne protège pas une chanson ou un film du téléchargement illégal de la même façon que l'on protège les citoyens contre, par exemple, la contrefaçon des médicaments. Trois leçons, je dirais, à retenir demain, parce qu'un accord au niveau mondial contre cette contrefaçon reste impératif à nos yeux. Dire non aujourd'hui, comme nous l'avons fait, c'est entendre l'appel de la société civile et exiger plus de coopération, et ça a été dit et répété entre la Commission et le Parlement. Dire non aujourd'hui, c'est aussi appeler à ce que l'Union européenne parle d'une seule voix pour la juste rétribution des créateurs. Faut-il rappeler que 5 États membres, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, pour ne citer qu'eux, ne sont même pas signataires de cet accord. Et enfin, dire non aujourd'hui, c'est appeler à une négociation la plus transparente et large possible avec la Chine et l'Inde, les deux États mondes les plus concernés, je dirais, en matière de produits contrefaits. Une contrefaçon, faut-il le rappeler, qui coûte 100 000 emplois, je conclue, à l'Europe chaque année.